Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Un argument apologétique des musulmans pour affirmer le caractère et l'origine divin de leur religion et de présenter l'expansion fulgurante de l'islam au premier âge de celui-ci, comme aussi le grand nombre de musulmans actuellement présents sur la terre. C'est la preuve par le nombre. Mais à réfléchir de cette façon, alors il faudrait dire que, par exemple, si le nombre de francs-maçons augmentait, cela signifierait que la doctrine franc-maçonne et a plus de vérité, et d'autant plus vrai qu'elle a de plus adeptes. Si il y avait des adorateurs de l'oignon, et paraît que ça existe, des adorateurs de l'oignon ou de la carotte, est-ce que leur doctrine aurait plus de véracité parce qu'ils seraient plus nombreux à adorer l'oignon et la carotte? 2 et 2, ça fait 4. Et même si 1 milliard dit que ça fait 5, ça fera toujours 4. La vérité ne se mesure pas au poids.